Comme nous l'avions annoncé hier, nous devions nous retrouver ici au stade de Martyrs, qui est le site principal qui va accueillir le jeu de la francophonie que nous attendons dans 10 jours. Et donc tous les jours, vous devez vous habituer à faire un peu de sport, parce qu'il sera essentiellement question de parler sport dans les jours qui viennent, parce que nous aurons plein d'activités et plein de rencontres pour faire le point de l'évolution régulière des activités qui sont prévues dans le cadre de cette grande compétition. Ce soir, je suis avec les directeurs des Jeux, M. Isidore Kwanja, mais aussi c'est lui qui va nous accueillir dans le cadre de l'organisation de ces Jeux, les Stades de Martyrs, et c'est lui qui va bénéficier de toutes les infrastructures, parce que dans les programmes de la francophonie, pour le gouvernement, ce n'était pas simplement préparer l'accueil de ces Jeux, mais c'était surtout de penser à l'avenir, à des jeunes sportifs congolais qui pourront bénéficier des sites pour se préparer, participer à des compétitions dans les normes. Nous sommes bien au 21e siècle. Avant de passer la parole au directeur de jeu, je voudrais revenir sur la réunion que nous avions eue ce matin avec le Premier ministre et chef du gouvernement, qui a réuni les diplomates membres du groupe de la francophonie pour discuter de certains détails. Vous savez qu'il s'agit, il faut parler de l'accueil, il faut parler de la restauration, de l'hébergement, de la sécurité, du transport, des jeux proprement dits. Il était question donc de voir avec les représentants des différents pays qui vont participer, faire le point des différents préparatifs. Et je pense que dans 48 heures, nous aurons l'occasion de faire les tours des différents sites avec les différents diplomates pour qu'ils puissent constater comment les choses ont été apprêtées. Beaucoup de choses sont dites, nous allons tous vu cette fameuse vidéo sur les réseaux sociaux, sur l'université de Kinshasa, je pense que les directeurs de jeu pourront y revenir. Il faut savoir que c'est des travaux qui durent depuis plusieurs jours, et parce qu'on fait des travaux, on fait des tests, vous allez voir que la vidéo n'a pas été datée, vous ne savez pas quand est-ce qu'elle a été prise, mais tout ceci pour nous rentre dans le cadre de ceux qui veulent ternir le grand rendez-vous attendu. C'est des défis importants que nous relevons, c'est des jeunes Congolais qui travaillent. Tout ça, c'est des choses qui doivent être prises en compte dans l'analyse des différents événements. Pour aller dans le vif du sujet, je voudrais passer la parole à M. Isidore Kwanja pour nous faire le point d'abord sur l'arrivée des délégations. Il y a plusieurs délégations qui sont déjà en train d'arriver, sur les dispositions qui sont prises au plan protocolaire. Je dois rappeler qu'il serait souhaitable d'ailleurs d'associer aux discussions qui viendront les ministres de la Santé, le ministre de la France des Infrastructures et d'autres collègues qui sont impliqués dans l'organisation de ces Jeux. Comme ça, vous aurez la palette de toutes les informations qui vont vous permettre de bien accompagner ces Jeux, parce que nous attendons de vous cet accompagnement stratégique pour nous permettre une bonne organisation. Donc, M. Isidore, je vous laisse continuer, disons, commencer votre présentation pour fixer le cadre. Ensuite, nous pourrons écouter le ministre Kaboulo, et c'est en ce moment-là que nous passerons la parole pour vos questions. Vous avez la parole, M. Isidore. Merci, Excellence, Monsieur le ministre des Communications et Médias. Merci aux hommes et femmes des médias pour votre patience, parce que cette émission a été prévue pour 18 heures, mais vous avez été patient. Aujourd'hui, nous sommes à 10 jours des Jeux de la francophonie. Il était pour nous important de vous faire l'état des lieux des préparatifs des 9e Jeux de la francophonie. En fait, c'est quoi le travail d'un comité national de Jeux de la francophonie? C'est de mettre en place la logistique nécessaire pour accueillir les athlètes, les faire jouer dans les meilleures conditions. Pour cela, nous devons nous occuper de leur transport, de leur hébergement, de leur restauration, des conditions sanitaires et sécuritaires assurées, mais également de mettre à leur disposition les infrastructures nécessaires. Aujourd'hui, je peux vous assurer que toutes les infrastructures sont là, prêtes à accueillir les athlètes, parce que pour les athlètes, ils ont besoin d'un espace de jeu, ils ont besoin de vestiaires, ils ont besoin de sanitaires, et toutes ces dispositions sont mises en place, les infrastructures sont là. Pour tous les autres aspects, nous avons pris les dispositions nécessaires, notamment pour les transports. Vous avez certainement vu un certain nombre de bus qui commencent déjà à circuler ici dans la ville avec notre logo.
qui transporte déjà les quelques athlètes qui sont arrivés ici. Les questions des transports sont assurées aussi bien pour les athlètes que pour les différentes délégations qui vont arriver. Pour les différentes délégations qui vont arriver, notamment les présidents des fédérations internationales, les juges, les arbitres, les jurés qui viendront ici parce que c'est normalement eux qui doivent assurer les règles des jeux. Donc, les questions des restaurations également. Aujourd'hui, si vous allez à l'université de Kinshasa, on est en train de mettre les dispositifs en place. On a installé un grand chapiteau qui peut accueillir jusqu'à 2500 personnes. Et c'est là qu'on va organiser la cuisine pour tous les athlètes. Les questions de santé et de sécurité également, toutes les dispositions ont été prises. Certainement que quand vous êtes rentré ici, vous avez vu qu'à l'entrée, il y avait non seulement les agents de Delta, mais aussi les agents, donc les JR qui sont là, et la police et d'autres services qui sont mis à contribution pour justement assurer la sécurité. Donc aujourd'hui, on est venu vraiment pour vous donner toutes ces informations et vous rassurer que les jets ont déjà commencé parce que nous avons déjà accueilli à peu près 200, il y a d'autres qui arrivent ce soir. Nous allons atteindre jusqu'à 300 athlètes déjà ici avec leur accompagnateur, une centaine. Et ils sont logés à l'université. Ça, comme a dit son Excellence, Monsieur le Ministre, il y a certainement ce que vous avez certainement vu, mais vous devez savoir que l'université de Kinshasa, ça fait presque plus de 2 ans, il n'était pas habité. Et donc la résidence n'était pas utilisée parce qu'on était en train de faire les travaux. Justement, lorsque on a fini ces travaux-là et qu'on était sur le point d'installer les athlètes, il y a certainement des réglages qui doivent être faits, notamment en ce qui concerne l'eau, parce que les robinets sont restés longtemps non utilisés. Et c'était cette situation-là qui a été réglée rapidement parce que la régie des eaux a pris la relève, a envoyé les citernes. Et aujourd'hui, j'ai envoyé mes équipes qui sont allées là-bas. Et moi-même, je vais y aller demain parce que j'ai reçu des appels de plusieurs délégations de différents pays qui cherchaient à savoir qu'est-ce qui se passait réellement. Alors je leur ai promis, j'ai dit, je préfère aller moi-même ouvrir le robinet pour que vous puissiez voir qu'effectivement l'eau est en train de couler. Donc encore une fois, je voudrais vraiment que la population congolaise soit rassurée que la RDC s'est préparée et est prête à accueillir les athlètes qui viendront des 5 continents. Voilà. Voilà, merci Monsieur le Directeur pour vos mots introductifs. On va passer la parole au ministre des Sports. Vous devez être les plus heureux d'hériter de tous ces bâtiments. Il faut nous dire quelle sera la nouvelle configuration du Stade Martyr, mais ce serait souhaitable aussi que vous puissiez nous faire le point de la préparation de nos athlètes. On a beaucoup parlé d'infrastructures, on a beaucoup parlé de logements, des restaurations, on a peu parlé de nos athlètes parce qu'il y en aura à peu près 300 minimum, je pense, qui vont participer. Peut-être que c'est l'occasion de fixer l'opinion à propos. Oui, bien sûr, merci. Je salue les dames et les messieurs de la presse. Je salue également les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Je voudrais bien rassurer les Congolais et les Congolaises que le 9e jeu de la francophonie auront bel et bien lieu à Kinshasa. Et c'est dans ces stades où nous nous trouvons aura lieu la cérémonie d'ouverture le 28 juillet à partir des 18h. Donc je crois que l'étape des inquiétudes est dépassée. En ce qui concerne nos athlètes, nous avons finalisé toutes les équipes qui vont participer à ces jeux. Nous nous engageons dans 9 disciplines et je peux vous donner le détail que en athlétisme, nous aurons 71 athlètes congolais qui vont participer. En basketball dames, nous aurons 12. En cyclisme, il y aura 14 sportifs congolais. En judo, 14. La lutte africaine, nous allons aligner 30 lutteurs. En lutte libre, 30. Et pour le tennis de table, il y aura 2 participants. Et en football, nous aurons une délégation de 20 athlètes. Ces Congolais vont rentrer dans les villages. Comme les villages ouvrent ses portes dimanche prochain, le 23,
toute la délégation congolaise va monter sur la colline inspirée à l'université de Kinshasa où ils seront logés. Donc je pense que le moral est haut. Nous organisons ici chez nous, et vous comprenez que le défi est grand, mais nous sommes en train d'armer moralement nos compétiteurs et ils vont porter les drapeaux nationaux. Ils sont fiers de porter les drapeaux nationaux, donc ils vont certainement se défendre avec patriotisme et détermination. Et je pense que, je donne ma tête à couper, nous allons garder quelques médailles sur le sol de nos ancêtres. Donc de ce côté-là, ne vous inquiétez pas. On raconte que la RDC ne va pas participer. Je vous confirme que les frais de participation sont en bonne voie. Nous sommes en ordre avec les CGF, le Comité international de jeux de la francophonie. Et que de ce côté-là, il n'y a vraiment pas d'inquiétude. Donc je peux garantir nos amis de médias que toutes les dispositions sont prises. C'est anormal qu'un pays qui organise ne puisse pas participer, chers amis. Vous êtes d'accord avec moi? Alors nous avons pris toutes les dispositions. Alors, les Jeux de la Francophonie, c'est aussi les infrastructures. Ça, c'est le plus grand pari. Rappelez-vous, depuis 1960, on n'a pas eu des infrastructures qui nous entourent. C'est pour la première fois qu'on est doté de telles infrastructures. Et ça ouvre les portes pour la RDC. Désormais, au moment où nous sommes ici, il y a déjà des demandes qui tombent sur ma table pour l'organisation des championnats d'Afrique à Kinshasa. Je pense que ça doit être une très très bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo. Nous avons des gymnases omnisports, les gymnases qui sont à côté de vous. Nous avons des pistes d'athlétisme renouvelées, dimension olympique. Nous avons un terrain annexe qui a été remis avec la pelouse naturelle. Nous avons du côté du stade de Tata Raphaël, là également on est gâté, sans oublier l'aréna qui sortira de cette terre après 16 mois des infrastructures avec des terrains modulables pour une capacité de 20 000 spectateurs. On n'a jamais vécu ça. Je crois que c'est aussi ça les bénéfices. On gagnera les médailles, mais on a gagné en infrastructure. Et je voudrais remercier le président de la République qui est trop impliqué, qui est un grand sportif, et avec le gouvernement, ils n'ont pas lésiné sur le moyen pour doter notre pays. Nous nous sommes toujours plaints que nous partons toujours à l'extérieur. Et on nous fait d'ailleurs cette remarque. Tous nos amis disent, c'est bien, vous venez chez nous prendre les coupes, tant est-ce que nous viendrons chez vous. Maintenant, les portes sont grandement ouvertes pour tous les sportifs du continent. Et je crois que les journalistes auront maintenant du boulot, parce qu'il y aura régulièrement des compétitions à la dimension africaine et nous aurons la possibilité de récupérer tous les talents qui se sont retrouvés à un moment donné sans gymnase, sans terrain de jeu. Donc c'est un effort que la République a fait et on est fiers. C'est ça les grands bénéfices d'avoir organisé les 9e Jeux de la Francophonie parce que l'héritage est très très riche et vous devez en être fiers. Et c'est pour vos jeunes, c'est pour vos enfants, vos petits-fils qui bénéficieront de toutes ces infrastructures. Voilà, monsieur le ministre, ce que je peux dire à ce stade de débat. Voilà, merci monsieur le ministre des Sports. Je vois que nous avons voulu associer à cet exercice beaucoup de journalistes sportifs. Je pense qu'ils auront la primeur sur les questions parce que l'événement, c'était un événement sportif. Je pense aussi que ça donne l'occasion aux autres journalistes de s'informer davantage. J'espère que les équipes de la CIGF de la direction des Jeux prépareront des fardes qui vous permettront d'être informés. Je sais qu'il y a 9 compétitions qui sont prévues, 9 disciplines, le football, le basketball, le judo, la lutte libre, la lutte africaine, le cyclisme, le handisport, le basketball, le tennis d'étape. J'espère que je n'ai rien oublié. De toute évidence, je pourrais me faire compléter. Et donc, on va regarder du côté du journaliste sportif pour la première question. Ensuite, nous reviendrons de ce côté pour que nous puissions dans le détail vous donner tous les éléments. On va commencer par Valdo. Bonsoir à tous. Bonsoir, Excellence, Monsieur le Ministre. Je vais aller droit au but.
J'ai quatre préoccupations. Oui. Ma première, c'est au ministre des Communications, M. Patrick Mouyaya. Est-ce c'est tacitement que les journalistes sportifs doivent s'approprier le jeu en termes de communication, ou bien il y a une dynamique, ou bien il y a une dynamique qui est mise en place pour que ces derniers puissent bien communiquer sur les jeux? Merci. Monsieur le directeur national des jeux, qu'en est-il? On parle beaucoup d'un site Stade des Martyrs. Qu'en est-il du site Tata Raphaël? Je vous dire que ce site a été mis en quarantaine. Monsieur le ministre des Sports, vous avez été voir toutes les disciplines qui vont naturellement représenter les pays aux Jeux. Qu'en est-il des tennis de table? Vous les avez cités, deux athlètes. Est-ce que vous avez vu ces deux athlètes? Est-ce que vous les connaissez personnellement? Est-ce que vous savez où est-ce qu'ils se préparent? Dans quelles conditions se préparent ces athlètes? À quel degré vous avez associé les médaillés d'or des derniers jeux de la francophonie, les médaillés d'or congolais des derniers jeux de la francophonie? Les jeux, c'est un événement que nous accueillons. Et donc, en tant que journaliste, évidemment, ça suscite votre intérêt dès le départ, parce que c'est votre domaine de prédilection. Et donc, bien au-delà de l'intérêt que vous portez parce que c'est votre travail, nous avons le privilège au gouvernement d'avoir un ancien journaliste sportif parmi les doyens. Et donc, il y a eu un travail qui a commencé au niveau de la direction des Jeux, mais nous sommes dans la dernière ligne droite qui va nous conduire jusqu'aux Jeux de la francophonie. Et nous pensons que le moment est venu, et c'est pour ça que nous faisons cet échange, parce que bien au-delà de cet échange, il y aura une discussion, parce qu'il y a toutes les questions des accréditations, des journalistes, des médias locaux, votre accès, les salles de presse et tous les dispositifs qui ont été préparés pour vous permettre de bien faire votre travail. Donc de ce point de vue, ne vous inquiétez pas, il y a des dispositions qui ont été prises et qui vous seront communiquées pour nous assurer que vous participez pleinement dans toutes les disciplines. En tout cas, vous ferez le choix parce qu'il y aura plusieurs compétitions, mais pour que vous puissiez aussi suivre les athlètes congolais, les autres athlètes, et de faire un bon rendu des différentes compétitions dans le cadre de ces Jeux de la francophonie. Il faut considérer que dans ce qui se fera, il y a une part de patriotisme aussi, parce que c'est un événement que nous recevons, c'est un événement qui dépendra intimement de la couverture que nous en ferons. Dans un contexte où il y a toute cette campagne de ceux qui pensent qu'on n'était pas prêt, que la RDC ne pouvait pas, mais aujourd'hui nous avons démontré à travers notamment tous les bâtiments, toutes les infrastructures qui ont été apprêtées, que notre pays est prêt à relever les défis de cette organisation mondiale. Et donc nous attendons de vous, des médias, cet accompagnement stratégique, et bien évidemment nous allons nous assurer que de l'autre côté nous avons mis à votre disposition tous les éléments d'information nécessaires et les conditions qu'il faut pour que vous puissiez exercer pleinement votre travail. Monsieur le ministre, pour les questions qui vous concernent. Bien, merci. La première question concerne le tennis des tables. Vous savez, nous sommes liés par un quota qui est défini par le comité international de jeux de la francophonie. Et c'est dans ce contexte-là que le tennis des tables a obtenu deux places. Les deux places seront donc occupées. Et je vous annonce que dans quelques jours, nous allons accueillir les championnats d'Afrique de tennis des tables ici à Kinshasa, avec plus ou moins 8 pays africains qui vont participer à ces championnats en parallèle avec le jeu de la francophonie, et notre délégation participera à ce championnat. Alors moi personnellement, physiquement, je ne suis pas allé voir où s'entraînent les pongistes, mais mes collaborateurs ont fait le tour de toutes les salles et pour suivre de près
dans quelles conditions se sont préparés. C'est vrai, ce n'est pas dans de conditions olympiques comme on l'aurait souhaité, mais les conditions au niveau de la Fédération de tennis de table, on a réuni quelques moyens pour permettre aux pongistes de préparer cette compétition. En ce qui concerne le médaillé d'or, il est vrai que nous, en tant que RDC Sport, nous sommes des participants. Nous ne sommes pas des organisateurs. C'est vrai que c'est organisé ici chez nous. Moi, mon problème, c'est quoi? C'est aligner les équipes nationales pour défendre les couleurs nationales. Il est vrai qu'on parle du médaillé d'or. Le médaillé d'or que je connais, c'est Makoro Bondo qui a gagné la médaille d'or. Rappelez-vous, c'était en 2017 à Abidjan, n'est-ce pas? Alors, maintenant, l'associé, ça dépend du comité national des Jeux de l'Homme. On aurait souhaité qu'un garçon comme Makoro Bondo soit invité, par exemple, comme ambassadeur, mais il n'a pas été. Et c'est dans les cahiers de charges, en tout cas, du comité national de Jeux de la Francophonie, qui, pour l'une ou l'autre raison, ne l'a pas associé. Ce n'est pas dans mon cahier de charges d'inviter les anciens médaillés. Et en plus, les médaillés ne sont même pas nombreux. Donc, c'est en ce qui concerne Makoro Bondo, c'est ça. Et je pense que Isidore est bien placé pour vous donner les noms de certains compatriotes qui sont retenus comme ambassadeurs. Les athlètes pratiquants, les anciens athlètes qui ont été sélectionnés par le comité national de jeux de la Francophonie. Je voudrais également ajouter à ce que le ministre Patrick Mouyaya dit ici, il a donné la liste complète de disciplines, mais il y a ce qu'on appelle des sports d'exhibition. Nous aurons les zango avec nos mamans traditionnelles et je pense qu'il y aura les tirs à cordes également. Ce sont des compétitions, d'exhibition pour apporter de l'ambiance autour de cette grande fête internationale et ça va s'ajouter à cela. Ce ne sont pas des ils ne sont pas compétitifs, c'est-à-dire on ne va pas comptabiliser les résultats qui seront obtenus là-bas. C'est juste pour la détente, c'est juste pour le loisir, pour égayer les nombreux visiteurs et toutes les délégations qui vont venir du monde entier. Voilà. Voilà, donc je rajoute qu'il ne s'agit pas seulement de sport pendant les Jeux de la Francophonie, il s'agit aussi de la culture. Je pense que samedi, vous aviez eu un aperçu. Nous aurons l'occasion de revenir sur l'aspect culture avec notre collègue, y compris dans la manière dont les artistes congolais se préparent pour ces rendez-vous. Monsieur Isidore, pour répondre aux questions qui vous étaient destinées. Merci. Ma question, vous vous demandez qu'est-ce qu'il en est du stade Tata Raphaël et site Tata Raphaël. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, le site Tata Raphaël est en train de se transformer. Avant, on n'avait que le stade Tata Raphaël et deux terrains d'entraînement, Oudjana 1 et 2. Aujourd'hui, cet espace-là est devenu un site sportif avec plusieurs activités sportives parce qu'on y a construit un gymnase pour le tennis de table qui est gigantesque, qui va servir pour d'autres activités sportives. On a construit un gymnase pour le judo et la lutte libre qui peut être transformé également et servir pour d'autres activités sportives. On a construit une grande cuisine qui peut accueillir jusqu'à 2000 personnes, donc l'espace pour la restauration et la cuisine. On a construit un centre d'accréditation, on a construit un dispensaire et on est en train d'aménager les deux Oudjana parce qu'il y a deux nouvelles pelouses qui seront installées là-bas. Entre les deux, on a construit également un bâtiment qui va servir comme une tribune. Donc cet environnement-là est devenu un quartier sportif vivable parce que juste à côté, il y a également, vous avez certainement vu, le village lui-même qui va servir pour d'autres activités et ça va être vraiment un environnement purement sportif où les jeunes gens vont devoir s'exercer à plusieurs activités sportives. Donc, contrairement à ce que vous pensez que c'est mis en quarantaine, par contre, c'est transformé. Parce que même le stade qui était complètement abandonné, on a refait à l'intérieur, on a refait les sanitaires, on a refait les vestiaires,
On vient d'accueillir quoi, la pelouse, les lumières. Ça va être un stade qui sera mis en neuf et que nous allons présenter également à la FIFA, à la CAF pour que ça soit homologué. Donc, le quartier Tata Raphaël est devenu un quartier sportif vivant. Voilà, il faut juste comprendre une chose. Les seules infrastructures que nous n'aurons pas à utiliser, en tout cas complètement, pour les jeux, ça serait le village. Par contre, toutes les autres infrastructures, nous allons les utiliser. Le gymnase qui a été construit pour la lutte libre et le judo, il est fin prêt, il sera utilisé. Celui pour le tennis de table est aussi presque à 98%, il sera utilisé. La cuisine va être utilisée parce que ce que nous allons faire, c'est que les athlètes qui seront ici au Stade des Martyrs, à Tata Raphaël, les artistes qui seront au Palais du Peuple et au Musée, nous allons faire une navette. Au lieu qu'ils montent à l'université pour aller manger, ils iront manger à Tata Raphaël. Donc on va utiliser également, il y a le dispensaire qui va servir également parce qu'il y aura plusieurs activités dans le rayon. S'il y a un problème de santé, il sera pris en charge immédiatement là-bas parce que nous aurons un dispensaire avec tout le matériel nécessaire pour intervenir. Donc c'est un espace qui sera vivant et les athlètes, on a estimé qu'ils doivent être logés à l'université de Kinshasa, mais toutes les infrastructures qui sont autour du stade de Tata Raphaël seront utilisées pour les 9e jeu de la francophonie. Allez-y, monsieur le ministre. Je peux compléter que les tournois de football, la finale aura lieu au stade de Martyrs, mais les tournois qualificatifs va utiliser également le stade Tata Raphaël. Vous allez les retrouver bientôt. Il y aura beaucoup de matchs là-bas. Donc, c'est garanti que c'est une infrastructure qui sera exploitée dans le cadre du 9e jeu de la francophonie. Et d'ailleurs, peut-être qu'avant les débuts de jeu, nous aurons l'occasion de faire un tour pour vous permettre de voir que ce soit à l'Unikin, au village de jeu, que ce soit au stade Tata Raphaël ou ici, parce qu'on doit nous représenter les stades de Martyrs. On va prendre la question de Rachel Kitita et puis nous reviendrons sur Junior Mompema. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour la parole. Quelques petites questions au directeur du Comité national des Jeux de la Francophonie, Monsieur Isidore Kwanja. On va crever l'abcès ce soir. Il se dit beaucoup, il se raconte beaucoup sur l'organisation des 9e Jeux de la Francophonie. Vous parlez de la restauration. Tente ou chapiteau installé à l'Unikin pour accueillir les athlètes. Mais il se raconte que c'est une entreprise française qui a gagné le marché de la restauration, une entreprise, je vais la citer, Vivendi, restauration pour les athlètes qui seront ici à Kinshasa, alors que le pays dispose des grands hôtels et de restaurateurs de renom pour pouvoir nourrir nos athlètes. Est-ce que c'est vrai? Et à quelles conditions cette entreprise a gagné ce marché? Aussi, on parle de la SONAS qui n'a pas pu avoir le marché d'assurer les athlètes, un marché également gagné par une entreprise extérieure. C'est ça qui se raconte, puisque aujourd'hui, il va falloir lever le voile sur l'organisation de ces jeux. Vous parlez de l'eau, vous avez envoyé des citernes ce matin, mais est-ce que le problème a été résolu par la régie des eaux qu'à partir de demain, l'eau coulera dans les robinets et que les athlètes pourront l'utiliser quand ils voudront? Aussi, le problème d'équipement. Est-ce que tous les équipements sont arrivés? Puisqu'il se raconte aussi que vous attendiez des équipements, notamment de la Chine, de Dubaï ou même de la Turquie. Est-ce que tout ça est vrai ou ce sont justement de racontards des rues de Kinshasa? Si vous le permettez, monsieur le porte-parole du gouvernement, une question d'actualité pour vous. Excusez-moi vraiment de revenir sur ça. Mais ce matin, il s'est dit qu'en rapport avec l'assassinat du député Chérubin Okende, que des journalistes seraient pourchassés ou que des journalistes seraient mis mal à l'aise justement pour le fait simplement de pouvoir d'avoir
donner certaines informations. Est-ce que vous êtes informé du fait que certains journalistes sont tracés? Est-ce qu'on peut craindre pour leur sécurité, puisqu'il se raconte que certains pourront même partir justement se réfugier puisqu'ils ont peur pour leur propre sécurité? Et ça, on a lu sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous pouvez nous rassurer sur ce fait? Alors, votre source, c'est les réseaux sociaux. Moi, ministre de la Communication, formellement... C'est aussi une source d'info, monsieur le ministre. Je n'ai pas été saisi ni par une institution, ni par un journaliste pour me dire, monsieur le ministre, écoutez, nous avons été appelés, nous avons reçu tel message, ils plantent sur nous telle menace, etc. Vous avez dit que les réseaux sociaux constituaient la source. Évidemment qu'elles constituent une source ouverte. Et il y a eu des journalistes qui ont annoncé ou qui ont parlé du kidnapping de mon feu collègue Chérubin Okende. Il ne faut pas avoir peur, parce que nous tous, nous voulons la manifestation de la vérité. Peut-être qu'un message est passé par un journaliste. Peut-être qu'un journaliste peut être un renseignant qui nous permette d'aller vers la manifestation de la vérité. Donc il ne faut pas considérer que lorsque il y a un besoin d'écouter ou d'entendre un journaliste, que cela est contraire à la liberté de la presse ou à l'indépendance de votre métier. Ici, il faut démêler un puzzle. Il faut arriver à retracer les faits suivant leur chronologie. Et il y a des annonces qui ont été faites. Je ne vous partage pas une confidence. Lorsque moi, je l'ai vu, j'ai vu le message sur les réseaux sociaux, j'ai contacté les responsables de tous les services pour demander ce qu'il en était. Est-ce que ce que nous lisons est vrai ou faux? Parce que généralement, sur les réseaux sociaux, il y a du vrai comme il y a du faux. Et j'ai reçu une réponse disant qu'on n'avait aucune trace dans aucun service de l'honorable Chérubin. Il était 1h ou 1h30 du matin. Et le matin, nous avons tous vu la mauvaise nouvelle. Et la mauvaise nouvelle qui a été annoncée aussi par des journalistes. Et donc, vous voyez que dans la quête de la vérité, pour de besoins d'enquête, il est possible qu'on demande à Madame Rachel Kitita, mais vous avez parlé du kidnapping, qui est votre source? Bon, ça va rentrer dans un débat de protection de sources, etc. Mais ici, il y a une vraie problématique. Je dois rappeler que depuis que je suis au ministère, la protection de journalistes, la promotion de la liberté de la presse sont pour nous des piliers, parce que c'est ce qui nous permet de consolider notre démocratie. On peut s'en plaindre, mais regardez chez nous comment la parole elle est prise, comment les journalistes s'expriment et comment les hommes politiques s'expriment. Mais c'est parce que justement nous y tenons, et nous au niveau du ministère, nous travaillons à nous assurer que les journalistes sont protégés dans l'exercice de leur métier. Il y a quelques semaines, j'avais discuté avec les journalistes de la presse internationale parce qu'ils avaient des inquiétudes sur un certain nombre de sujets. Je pense que ces inquiétudes ont été prises en charge et de manière étroite, nous continuons de collaborer. Donc j'invite tous les journalistes qui ont été ou qui ont été menacés ou qui ont entendu des choses de ce sens qui nous contactent, et nous verrons comment on va faire. Je ne citerai pas les noms, mais il y a des journalistes qui ont été ciblés. Il y a eu des informations crédibles que certains journalistes ont été ciblés, sûrement par ceux qui propagent la psychose ou qui veulent semer les chaos. Ces journalistes ont été pris en charge et il y a des dispositions sécuritaires qui ont été prises. Et donc, il ne faut pas s'inquiéter s'il y a des questions qui peuvent vous être posées pour nous aider à trouver de la lumière. Vous avez parlé des réseaux sociaux comme source, et les réseaux sociaux peut-être peuvent donner des pistes. Voilà sur cette question, monsieur Isidore. Vous pouvez répondre aux questions qui sont les vôtres. Et il faut crever l'abcès. Je vais crever l'abcès parce que cette question m'a été posée à plusieurs reprises. Madame Kitita, je vais vous dire qu'avant que j'en arrive à trouver un prestataire extérieur, j'ai commencé mes recherches ici au niveau national. Je suis allé visiter plusieurs restaurants ici dans la place. J'ai échangé avec plusieurs. Sincèrement, je n'ai pas
à moins que l'on me contredise, je n'ai pas trouvé un restaurateur qui avait la capacité de nourrir 4000 personnes pendant 14 jours. C'est-à-dire avoir une chaîne d'approvisionnement, de nourrir 4000 personnes pendant 14 jours. J'ai fait cette démarche-là au niveau national. J'ai rencontré plusieurs restaurateurs. Moi-même, je suis allé avec mes équipes. Vous devez comprendre une chose, c'est que dans l'organisation des Jeux de la Francophonie, il y a des dispositions qui sont prises, notamment pour ce qui est de la restauration. Parce que la restauration est capitale pour les athlètes. D'abord, un, ça doit être... on doit faire intervenir les nutritionnistes, les diététiciens, pour s'assurer que la nourriture qui est présentée aux athlètes réponde aux conditions exigées. Ça, c'est un. De deux, l'organisation des Jeux, nous le faisons avec les comités internationaux. Les jeunes gens qui viennent, ils viennent de plusieurs pays. Nous avons l'obligation de nous assurer que la nourriture que nous allons offrir plaise à tout le monde. Et la décision que nous avons prise, nous l'avons prise après avoir eu des concertations avec les comités internationaux des Jeux de la Francophonie, parce que nous avons estimé que s'il y a un problème de santé qui se pose, par exemple, qu'un athlète a mangé quelque chose, a fait la diarrhée, il est éliminé automatiquement. Et donc, c'est une responsabilité partagée. Et donc, nous avons estimé qu'on devait prendre un prestataire qui assurait la traçabilité de tout ce qu'il offrait comme nourriture. À tel point que s'il y a un problème de santé, on peut retracer qu'est-ce que l'athlète a mangé ces jours-là qui peut avoir provoqué une situation quelconque. Vraiment, c'était une analyse minutieuse que nous avons faite après avoir fait le tour. Je vous informe que le processus, d'ailleurs, j'avais entamé un processus avec un restaurateur ici sur place. Je suis allé même à la direction de passation de marché. J'ai obtenu même l'autorisation de signer le contrat. Mais il s'est avéré qu'il n'avait pas suffisamment de matériel et il ne pouvait pas se procurer du matériel pour nourrir juste pour 10 jours. Et il estimait qu'il ne pouvait pas rentrer dans sa dépense. Combien donc, de personnes il faut nourrir par jour? Il faut nourrir plus. Donc nous, pour actuellement, on va nourrir plus 3 000. Il faut 3 repas par jour pendant 14 jours parce qu'on compte 2 jours avant, 2 jours après. Ça fait même 3 jours avant, 3 jours après parce que nous avons contracté pour 16 jours. Donc ça prend toute une logistique avec une chaîne d'approvisionnement pour permettre de nourrir le matin, à midi et le soir. Donc ces dispositions-là, on n'a pas trouvé un restaurateur au niveau local. On a même pensé associer 2-3 restaurateurs, mais on n'avait toujours pas la possibilité de nous assurer qu'on aura un service approprié. Pour ce qui est des assurances, je pense que vous le savez bien que le système d'assurance dans notre pays est libéralisé. Dans un système libéral, c'est le mieux offrant. On va chez le mieux offrant. Nous avons un prestataire qui est ici au niveau national, avec qui nous avons contracté pour assurer nos athlètes, tous les athlètes qui viennent ici à Kinshasa. Donc, nous ne sommes pas dans un système comme c'était à l'époque, un seul prestataire. Maintenant, on a libéralisé le système. Nous allons chez celui qui nous offre un bon prix. Pour l'eau, je peux vous assurer que on est en train de régler et on a réglé cette question-là parce qu'aujourd'hui, la régie des eaux a installé de façon permanente les agents là-bas jusqu'à la fin des jeux pour s'assurer que chaque fois qu'il y aura un problème, qu'on puisse immédiatement intervenir. Il en est de même pour l'électricité également. Donc, on a pris cette disposition-là. Aujourd'hui, cette question de l'eau ne va plus se poser parce qu'en plus, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons augmenté le nombre de citernes. C'est-à-dire que la nuit, on va stocker une grande quantité d'eau dans les citernes, de telle sorte que même s'il n'y a pas de l'eau qui coule dans les robinets de la régie des eaux, nous avons suffisamment de stocks pour que les athlètes puissent avoir de l'eau pour tous leurs besoins. Et pour ce qui est des équipements, je vous informe que les équipements sont déjà ici à Kinshasa. Les équipements, c'est quoi? Si vous rentrez ici, par exemple, il y a eu des tests qui se sont passés ici. Tout l'équipement est là.
on a déjà installé, y compris tous les autres sites. Dès qu'on finit complètement, comme là on a fini complètement, à partir de demain, on va commencer à équiper tous les gymnases. Donc, et en plus, pour le domaine dans les aspects culturels, nous avons du matériel scénique de grande valeur qui va servir après les Jeux. Vous savez, on n'a pas de studio ici, nous avons des grands musiciens, mais on n'a pas de studio où nos musiciens, nos artistes peuvent se produire, produire au niveau local. Actuellement, après les Jeux, nous allons avoir tout ce matériel qui sont déjà ici à Kinshasa. Donc je peux vous assurer que sur ce point, on a pris toutes les dispositions. Les Jeux vont avoir lié, nous avons tout le matériel nécessaire, nous avons pris toutes les dispositions, mais aussi pour la restauration. Je veux vous informer, à part les athlètes qui seront nourris par Vivendi, nous avons également un prestataire local parce que nous avons invité à peu près 300, donc les arbitres, les jurés, les juges de touche et même les arbitres nationaux, ils seront nourris par nous et nous allons utiliser cette cuisine de Tata Raphaël qui va faire en sorte que toutes les personnes qui sont ici, qui vont avoir des activités ici au Stade des Martyrs, au Palais du Peuple, au Musée et à Tata Raphaël, on va faire une navette et toutes ces personnes à l'heure de midi, ils vont se restaurer ici au restaurant de Tata Raphaël. Et ça, c'est une restauration locale. Donc on a pris toutes ces dispositions, mais on n'a pas trouvé un prestataire qui avait la capacité de nourrir les athlètes, une grande quantité, donc un grand nombre d'athlètes, comme nous avons la situation actuellement. Mais, et tout calcul fait, combien coûtent les Jeux de la Francophonie, les 9e Jeux de la Francophonie? En fait, cette question-là, je donne toujours la même réponse. Je vous dis ceci. Ce que la République a fait, c'est un projet de développement. Toutes les infrastructures qui sont construites ici, ce n'est pas seulement pour les Jeux de la Francophonie, mais c'est également pour la jeunesse congolaise. Parce que ces infrastructures, elles sont immenses. Nous les avons construites pour qu'elles servent à plusieurs autres activités sportives. Ici, on peut y faire des handball, on peut y faire des basketball et plusieurs autres activités, y compris toutes les autres infrastructures. Donc c'est un projet de développement. Ce qui a été fait, même si on n'avait pas organisé les Jeux de la Francophonie, le gouvernement qui est conduit par le président de la République, qui veut investir dans la jeunesse, avait des projets de développement pour développer le sport professionnel en République démocratique du Congo. Bon, je crois que on a crevé l'abcès. Non, regardez, madame Kitty, parce que cette question reviendra souvent. Vous dites combien, alors qu'on n'a même pas encore fini d'organiser ces Jeux. Je peux vous donner des exemples, parce qu'il y a des exigences des fédérations, notamment, qui ont demandé le tartan. Je ne sais pas si vous connaissez les tartans. Moi, je l'ai appris récemment. C'est la piste sur laquelle on fait de l'athlétisme. Il fallait le renouveler. Il y a eu des exigences, on dit, pour la climatisation, il fallait ceci, il fallait cela. Et donc, tous ces travaux, c'est des travaux qui sont en cours et n'ayez pas peur parce qu'il y aura une reddition de compte le moment venu. La deuxième chose, c'est l'investissement, comme il a été dit ici. La République démocratique du Congo, nous sommes une grande terre d'accueil. Mais regardez, depuis 1974, je parle sous le contrôle de mon collègue de droite, on n'a pas accueilli une grande compétition sportive. Ça veut dire que depuis toutes ces années-là, on n'a pas investi pour être en mesure. Hier, je disais encore dans les briefings que moi, j'ai négocié avec l'ambassade de France pour que nos basketteurs s'entraînent sur les terrains du lycée français qui est couvert. Le basket ne se pratique plus à ciel ouvert. Mais regardez sur ces sites, on a un terrain de basket moderne à droite, on a un autre à gauche, on a un aréna devant. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça représente à la fois pour nos jeunes sportifs qui pourront s'entraîner et compétir. Et surtout que nous pouvons, à travers ces infrastructures, accueillir de grands événements et générer des profits pour les trésors publics. Donc, sur la question, attendez, parce que nous, on a fait le choix de la transparence. Le moment venu, nous y reviendrons. Junior Bompema, une question, s'il vous plaît, parce que nous devons courir derrière le temps. Malheureusement, parce que j'ai de petites questions. Allez-y, allez-y. La première, elle est toute petite, c'est... je l'adresse au directeur des Jeux, M. Isidore Kwanja. J'anticipe peut-être l'après-jeu. Aujourd'hui, la RDC peut
se taper la poitrine d'avoir autant d'infrastructures. Je pratique, je suis dans ce métier de journaliste sportif il y a très longtemps. C'est pour la première fois que je vais commencer à pratiquer le métier dans les conditions. Alors, qu'est-ce que vous prévoyez par rapport à l'après-jeu pour la maintenance de ces infrastructures-là avec le gouvernement congolais, vous qui gérez, vous qui allez remettre les clés? Qu'est-ce qui est prévu? Quels sont les mécanismes mis en place pour que finalement ces infrastructures soient gardées en l'état? Nous le savons que la maintenance, c'est ce qui pose problème, surtout chez nous en République démocratique du Congo. C'était la question à vous. Je vais très rapidement aborder des questions techniques. Le ministre des Sports a parlé de 9 disciplines. Et effectivement, nous avons aligné 9 disciplines. Je voudrais quand même savoir, nous appelons les Congolais à venir applaudir les léopards de toutes les disciplines. Mais il n'y a pas seulement les infrastructures qu'il faut applaudir, il y a aussi les jeux, il y a aussi les médailles qu'il faut gagner. Il a mis sa tête à couper que après les jeux, la RDC gagnera autant de médailles. Je voulais quand même savoir, par rapport à la préparation de ces jeux, il a été prévu, il était au Sénat, il a parlé d'un stage à Abidjan pour le léopard judo et le léopard football. Qu'en est-il? Et pourquoi cela n'a pas eu lieu? Et il a parlé également d'un regroupement à Brazzaville. Et finalement, toutes ces étapes de la préparation n'ont pas eu lieu. Pourquoi? Et nous ne savons pas. Une dernière question peut-être. Monsieur le ministre, quand les délégations se présentent, on a vu lors des tests events, quand les délégations se présentent, la moins belle présentée, c'est la nôtre. Nous n'avons pas d'équipement pour les judokas. Il n'y a pas de judogi à ce jour qui doivent être attestés par la fiche. Pour les lutteurs, il n'y a ni de jungle, ni de maillots pour combattre. Finalement, on aura quel genre d'athlète à présenter le jour de jeu avec des judogis qui ne sont même pas allés dans des pressings avec des maillots et des jungles troués. Je voudrais quand même savoir par rapport à la préparation et la présentation des athlètes en termes d'équipement. Merci bien. Merci. On va commencer par le ministre. Bien, merci pour cette question. Il est vrai que nous avions prévu des stages bloqués pour nos sportifs dans le seul objectif de créer ce qu'on appelle l'esprit du team. On regroupe les sportifs, pourquoi? Pour qu'ils puissent échanger, pour qu'ils puissent se connaître et se fréquenter. Ça, c'était important. Et nous avons prévu tout cela. Et nous avions voulu profiter du championnat d'Afrique de judo à Abidjan pour faire bloquer nos judokas à Abidjan, de manière à ce qu'ils soient associés aux jeunes footballeurs qui sortaient du tournoi Fatchi Cup pour qu'ils puissent s'entraîner là-bas. Nous avions prévu également, nous avons pris contact avec le centre sportif de Kintele à Brazzaville pour héberger une certaine partie de la délégation, pas toutes les disciplines, parce que nous avions prévu également de garder certaines disciplines ici, par exemple le tennis de table et les handisports qui devaient être internés. Il est vrai que ce vœu ne s'est pas concrétisé pour certaines raisons logistiques, mais qu'à cela ne tienne, les fédérations ont continué à entraîner les sportifs. Et nous avons même cédé certaines salles ici dans les entrailles du stade de Martyr où nos sportifs ont poursuivi leur préparation. Rappelez-vous que nous avions interné les Léopards football de moins de 20 ans. C'était à Venus Hôtel de Kinkole où les sportifs se sont entraînés. C'est vrai, entre le vœu et les réalités, ça ne s'est pas concrétisé, mais cela n'a pas du tout empêcher à ce que nos sportifs puissent s'entraîner. Toujours pour des raisons de logistique, toutes les dispositions ont été prises, de manière à ce que les athlètes congolais puissent se produire dans la dignité et la fierté. Et il y a les matériels en route, et d'ici là, nos sportifs auront les équipements nécessaires. Et je crois que les sportifs ne seront pas nus, bon, Pema, vous pouvez être sûr. Les sportifs seront habillés et vous allez certainement les applaudir. Je voudrais profiter de ça pour sensibiliser quand même nos confrères. C'est ce jeu
de la République démocratique du Congo. À un certain moment, vous devez vous approprier ce jeu. Il ne faut pas toujours avoir l'esprit négatif. Ce n'est pas bien. Le pays qui organise doit être soutenu par les médias locaux, encourager vos sportifs, essayer de les motiver davantage. Je pense que tous ces jeunes gens, parce que nous les fréquentons régulièrement, sont déterminés à porter haut les drapeaux de la République démocratique du Congo. Nous nous inscrivons dans ce contexte de mobilisation. C'est très très important. N'oubliez pas que les jeux de la francophonie sont des jeux de la jeunesse. C'est la relève que nous préparons. Donc nous sommes là pour les encadrer. Et je sollicite votre encouragement. Je sollicite votre participation positive de manière à ce que la RDC puisse améliorer les bilans. Vous savez que en Côte d'Ivoire, si ma mémoire est bonne, nous avions terminé avec 3 médailles au dernier jeu de la francophonie. C'était en 2017. On avait gagné une médaille en or et 2 médailles en bronze. Et là, je suis convaincu que nous allons battre ce record et nous allons certainement améliorer. N'oubliez pas que les sportifs ont passé des longs moments sans infrastructure. Et nous avons perdu beaucoup d'athlètes. Nous avons même regretté parce qu'ils n'avaient pas des lieux d'entraînement, ils n'avaient pas des lieux de compétition, à tel point que, bon, ils se sont dispersés, ils se sont donnés à d'autres métiers. Maintenant que nous sommes en train de réhabiliter la RDC, je pense que dans les années à venir, je suis convaincu que la participation de la RDC sera largement positive. Parce que maintenant, on a des infrastructures, les fédérations n'ont pas d'excuses, les athlètes n'ont pas d'excuses, nous avons des salles climatisées et toutes les conditions professionnelles sont réunies pour espérer une participation positive. Donc, Junior Bompema, vous serez avec moi pendant 10 jours et je pense qu'à un moment donné, je vais vous taper à l'épaule pour vous dire, pour vous rappeler. Nous aurons certainement des médailles, soutenez nos léopards, poussez les Congolais à venir très très nombreux. C'est ce que nous attendons le jour de l'ouverture. Il faudrait que vous fassiez les plats du stade de Marti pour montrer que la RDC, c'est un pays fréquentable, c'est un pays des sportifs, c'est un pays qui a beaucoup de talents et c'est un pays très accueillant où les conditions sont réunies pour accueillir n'importe qui à n'importe quel moment. Voilà. Monsieur le directeur de jeu, je demanderai d'être un peu plus court pour nous permettre de prendre la dernière série de questions et terminer. Nous sommes déjà à une heure. Voilà, donc pour être bref, qu'est-ce qu'on va faire de ces infrastructures après les Jeux? En fait, comme je l'ai dit tantôt, c'est un projet de développement pour développer le sport professionnel. C'est une responsabilité partagée. Les infrastructures ici, le gouvernement a construit pour sa jeunesse. Il revient également à la jeunesse de les utiliser à bon escient. Ça, c'est une responsabilité que nous avons tous. Mais ce qui est vrai, c'est qu'après les Jeux de la francophonie, le comité national qui a été créé a 6 mois pour préparer la transition afin de remettre toutes ces infrastructures au ministère des Sports. C'est-à-dire que nous avons 6 mois pour préparer la transition et pendant cette période-là, on va prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la maintenance, pour permettre à ce qu'après les Jeux, que ces infrastructures continuent à servir la jeunesse congolaise parce qu'elles ont été construites non seulement pour les Jeux, mais pour que ça puisse servir à la jeunesse congolaise. Je vous en prie, allez-y parce que c'est vous qui hériterez de ça. La maintenance des infrastructures, c'est aussi vous. Je dis cela pourquoi. Je suis en train de gérer les stades des martyrs. Je suis dans une campagne d'assainissement. Je suis en train de déloger tous ceux qui habitent dans ces stades. Vous trouvez dans un stade de football les vendeurs de Mituya Mpioti, de Makayabu, de Thompson. Ce n'est pas normal. Nous avons visité les stades à travers le monde. Un stade de football reste un stade de football. Il y a des chaînes de télévision qui viennent s'installer ici. Il y a des bureaux des avocats qui viennent s'installer ici. Nous sommes en lutte. On est en train de mener. Et moi, ministre des Sports, j'ai des problèmes avec les conseils d'État. On m'acquise du matin au soir. C'est pour ça que j'ai dit... La maintenance, c'est aussi vous. Libérez cet espace qui est réservé aux sportifs pour que les sportifs puissent s'en approprier. Il ne faudrait pas profiter de votre position
ou de trafic d'influence pour nous menacer. Ce n'est pas bon. Et c'est dans ce contexte que la question. Si vous voulez que ces infrastructures soient bien maintenues, laissez les infrastructures aux sportifs, quel que soit votre rang. S'il vous plaît, vous voulez avoir une chaîne de télévision, allez chercher un immeuble ailleurs, parce que les immeubles poussent comme des champignons à travers Kinshasa. Vous voulez créer un bar. Il y a même des bars au stade de Martyrs. C'est anormal. Dans aucun stade du monde, on trouve un bar. C'est aussi ça, la maintenance. Nous devons travailler ensemble pour sauvegarder ces infrastructures. C'est un leg extrêmement important. Je pense que ce message est passé ce soir. Merci beaucoup de votre interpellation. Évidemment, c'est nous qui devons assurer la protection de biens publics. On va prendre quatre questions pour terminer. Jacques Moulouba, Pascal Moulégua, Enoch, je pense, de Radio Capi. Et j'ai vu en lunettes, s'il vous plaît, vous allez vous présenter. On va prendre les quatre dernières questions. Nous aurons peut-être un autre exercice jeudi. Pour les autres, on pourra récupérer en ce moment-là parce que nous souhaitons vider toutes les questions, crever les abcès, comme Madame a dit tout à l'heure. Comme ça, on est sûr que nous partons sur une même longueur d'onde pour les débuts des compétitions. Allez-y rapidement, Jacques Moulouba, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ma question s'adresse au directeur des Jeux. Mais monsieur le ministre, quand vous avez parlé, je parle du ministre de la Communication, j'ai retenu un concept clé. Vous avez besoin d'un accompagnement stratégique des médias par rapport à la couverture des Jeux de la francophonie. Mais il se pose un problème. Si vous ne le savez pas, monsieur le ministre, il y a des médias qui sont frustrés, très frustrés. Voilà le sens de ma question. Que le directeur des Jeux nous dise aujourd'hui, il y a certains médias, pourtant debout, des médias viables, qui ont des tentacules partout, qui arrosent le pays, même l'étranger, mais qui n'arrivent pas à signer un contrat avec l'organisation par rapport à la couverture, par rapport au spot. Qu'est-ce qui se passe réellement? Monsieur le directeur des Jeux, puisque le mot est en vogue, on nous a demandé de ventrer les bois, de crever l'abcès, on vous accuse d'accorder des signatures avec des chaînes d'une certaine façon. Alors, la question est simple. Quels sont les critères qui militent en faveur du choix d'un tel ou de tel autre média, alors qu'il y en a d'autres qui attendent encore à 10 jours du démarrage des Jeux? Une sous-question, toujours par rapport à la médiatisation. Il était prévu qu'aujourd'hui, le pays tout entier soit arrosé par des spots publicitaires pour une grande adhésion de la population congolaise par rapport à ces Jeux. À Kinshasa, où je me trouve, à moins que je sois frappé de cécité, je ne vois pas encore grand-chose aujourd'hui. À peine quelques spots. Est-ce que c'est ce qui était prévu? À l'intérieur, je ne suis pas arrivé, il était également prévu que des spots soient implantés, érigés partout. Qu'en est-il? D'où des panneaux, plutôt, excusez-moi, des panneaux. D'où la question. En ce qui concerne la médiatisation aujourd'hui, monsieur le directeur, croyez-vous, vous pouvez répondre à la population congolaise, la main sur le cœur, est-ce que vous êtes dans le bon à 10 jours du démarrage des Jeux? Merci. J'espère que les autres confrères ne poseront pas autant de questions que vous. On va les enregistrer et y répondra une fois pour toutes pour faire une économie du temps. On va prendre la question de Pascal Moulégua. Enoch, avancez de ce côté, vous poserez la question le dernier. Excusez, monsieur le ministre, puisque l'actualité oblige, moi j'aimerais m'étendre sur l'assassinat de Chérubin Okende. Avez-vous une idée sur quand sera mise en place la commission d'enquête internationale? Car 6 jours après, la famille avec laquelle je me suis entretenu cet avant-midi constate une sorte de léthargie dans l'évolution du dossier. À propos, y a-t-il déjà des mesures conservatoires prises en l'encontre de certains agents publics qui pourraient être impliqués indirectement ou directement? Et pour ce qui est de l'enquête indépendante, le gouvernement, on sait, vous avez misé sur l'Afrique du Sud, sur la Belgique, mais la famille et le parti de Chérubin Okende plaident pour les États-Unis. Bref, une enquête internationale qui sera chapeautée par la MONUSCO. Êtes-vous du même avis? Écoutez, je ne souhaiterais pas m'étendre davantage sur le sujet.
parce que simplement, c'est une question qui est sur instruction. Ce qu'il faut savoir, c'est que les enquêtes ont commencé dès qu'on a annoncé la découverte de la voiture. Il était 6h02 lorsque la police a été contactée. Aujourd'hui, l'instruction se déroule au niveau du parquet. Vous avez suivi, je pense, le procureur général près de la Cour de cassation qui s'était exprimé à ces sujets. Il y a évidemment un procureur qui se charge de l'instruction. Il y a l'auditorat militaire qui a été mis à contribution, mais aussi tous les services de sécurité que vous connaissez. Le président de la République a dit en conseil de ministres vendredi qu'il avait échangé à propos avec le premier ministre belge. Samedi matin, ma collègue de la justice a saisi les autorités belges. Cet après-midi, j'ai discuté avec l'ambassadeur de Belgique à ces sujets. Il est question de remplir quelques formalités administratives des documents pour permettre à l'enquêteur qui a été désigné de venir se joindre à l'équipe qui est déjà à pied d'œuvre au niveau du parquet. Et donc, de ces points de vue, et hier, je l'ai dit, je le rappelle, que tous ceux qui pensent pouvoir disposer des éléments pouvant permettre de faire éclater la lumière sur cet acte odieux, ils peuvent contacter le parquet. Ne soyez pas spécialiste sur les réseaux sociaux, ne soyez pas propagateur de telle ou telle autre thèse. Si vous estimez que vous tenez à la vérité, comme nous, pour la mémoire de notre collègue qui est décédé, contactez les parquets et vous serez utile en ce moment-là à l'enquête qui est en cours. Je pense que le moment venu, le parquet communiquera parce que c'est eux qui sont au courant du contenu du dossier. Voilà. Enquête internationale sous... Je pense pouvoir avoir donné la réponse à ces propos-là, cher Pascal. On va prendre les autres questions, s'il vous plaît. Je suis M. Eddy Kankou. Ma première question, c'est au... C'est quoi votre média, s'il vous plaît? Je suis de la radio chrétienne Sangomalamu. À M. Isidore, selon un média en ligne, alternance.cd, la Banque centrale, selon ce journal, vous a retiré la signature des retraits d'argent à la banque. C'est ce qui complique l'avancement des choses au niveau des jeux de la francophonie. Quelle est la réponse que vous donnez à cette question? Parce que cette question tourmente et à 10 jours de la tenue des jeux de la francophonie ici à Kinshasa, vous retirez la signature, c'est grave. Au ministre des Sports, Excellence, Monsieur le ministre, dans votre langage, vous obligez les athlètes aux résultats pendant que le gouvernement n'a pas fait sa part. Vous êtes journaliste, ancien journaliste, mais vous ne pratiquez plus. Mais à votre expérience en tant que journaliste, vous avez couvert plusieurs compétitions et vous avez vu plusieurs choses. Est-ce que vous estimez, vous êtes fier que la RDC participe et vous affirmez que nous allons ramener les médailles par rapport à quoi? Et vous obligez les athlètes qui ne savent même pas s'ils vont toucher à quelque chose. Hier, lundi, ici, il y avait quand les uns ont mangé le kwanga et le pondu, les autres kwanga et makayabu. Comment vous estimez que les gens qui sont maltraités peuvent nous ramener de bons résultats? Monsieur le ministre de communication et médias, je suis plusieurs fois invité à la RTNC2. J'ai comme l'impression que la RTNC2 est oubliée par rapport au jeu de la francophonie. Il y a mon aîné qui est passé avant moi, s'inquiétait par rapport à la communication de manière générale dans pratiquement plusieurs chaînes, notamment la chaîne Sangomalamu aussi. Mais plusieurs fois invité à la RTNC2, je sens comme si la deuxième chaîne nationale de la RDC souffrait aussi de cette situation. Comme je suis en face du patron de la communication, je préfère boire l'eau pure. Merci. 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 Question enregistrée. Merci beaucoup. Je crois que Eddy Kankou m'a pratiquement épuisé, mais j'avais une question. Vous a épuisé. Une question perspective. Une question perspective. Le ministre des Sports a vanté justement les conditions dans lesquelles vont évoluer désormais nos athlètes, des très bonnes conditions, mais on se rend compte que c'est seulement à Kinshasa, les athlètes de Kinshasa, qui vont certes évoluer dans le cadre, grâce au jeu de la francophonie, qui se joue à Kinshasa, mais est-ce que le gouvernement a un plan à moyen ou à long terme afin de doter aussi les athlètes des autres provinces des infrastructures
adéquate afin que dans les prochaines compétitions africaines ou mondiales, nous puissions aussi avoir des athlètes qui viennent de province. Parce que le constat, il est que dans la majorité des délégations, c'est souvent des jeunes, des athlètes qui viennent toujours de Kinshasa. Merci. Voilà la dernière question. Merci beaucoup. C'est M. Enoch Matondo de Radio Capi. Monsieur le directeur national, selon une information en notre possession, il y a certains pays occidentaux qui ne veulent pas venir participer à ces Jeux. Ils évoquent le problème de l'insécurité à Kinshasa. Nous voulons en savoir un peu plus. Et ce matin, nous avons diffusé le son d'un athlète burkinabé, je pense, qui a parlé des mauvaises conditions d'hébergement, bien que nous avons reçu quelques petites menaces juste après la diffusion de cet élément par un des membres du comité d'organisation. Bon, c'est un ami. Nous avons fini par nous faire comprendre. Nous voulons savoir, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que les athlètes qui viennent récemment d'arriver à Kinshasa sont hébergés? À monsieur le ministre des Sports et Loisirs, Kabulo Mona Kabulo, nous voulons juste savoir s'il y a une enveloppe qui a été prévue avant les Jeux pour les athlètes congolais, parce que j'ai reçu un athlète, un judoka, qui m'a parlé de très très mauvaises conditions d'entraînement et de préparation. Nous voulons juste savoir s'il y avait une petite enveloppe prévue avant le démarrage des Jeux. Merci. Voilà, merci pour vos dizaines de questions. On va commencer par les directeurs de jeux. Comme ça, on va crever les abcès. Et puis nous allons terminer cet exercice. Allez-y. Merci. Je vais répondre à la première question de notre compatriote qui dit que certains médias sont frustrés. En fait, les médias ne sont pas frustrés. L'exercice que nous avons fait était un exercice très délicat parce que tous les médias qui nous accompagnent ou tous les médias de la RDC, ils sont très importants pour nous. Ils sont très importants pour nous. Nous avons certainement signé un certain nombre d'ententes. Il ne s'agit pas de contrats, ce sont des ententes qu'on a signées avec un certain nombre de médias, notamment la RTNC, qui est notre chaîne officielle. Et nous avons signé également avec d'autres. Alors, on a fait un choix. On n'est pas resté sur un certain type de médias. On est allé la presse écrite, audiovisuelle, et dans les réseaux sociaux, les influenceurs. On a essayé un peu de ratisser large et on continue à le faire. Il y a encore des ententes qui sont en préparation parce que nous estimons que vous jouez un rôle important pour diffuser tout ce qui va se passer pendant les Jeux, parce que notre objectif est que le monde entier voie ce qui se passe ici dans notre pays. Et donc pour cela, nous avons préféré travailler avec tous les médias, et avec tous les supports, pour que celui qui n'a pas peut-être l'occasion de regarder la télévision parce qu'il n'a pas le temps, ben, il peut peut-être voir une publicité. Il peut peut-être suivre la radio, il peut peut-être dans les réseaux sociaux. Donc on a essayé de faire ça comme ça et on continue à le faire. Et je compte sur vous pour que vous puissiez nous accompagner dans ce processus. Donc il n'y a pas un média qui est frustré et ma porte est toujours ouverte. Lorsqu'on me demande une entrevue, je trouve toujours un temps pour le faire et on continue à signer des ententes. On va continuer à le faire. Je peux vous assurer que je fais un effort pour que je puisse travailler avec tous les médias. Il y a un compatriote qui a posé la question qui dit qu'on m'a retiré la signature par la Banque centrale. D'abord, je n'ai pas un compte à la Banque centrale. J'ai un compte dans une banque privée. Donc, pas mon compte, mais le compte de mon organisation, le CNJF. On n'a pas un compte à la Banque nationale. Je vais juste vous informer comment ça se passe. Lorsque le pays accepte d'accueillir les Jeux de la francophonie, il signe un cahier de charges avec l'Organisation internationale de la francophonie. Et il s'engage à mettre en place un comité national qui est le pont entre le gouvernement du pays hôte et l'organisation internationale. Et on lui confie la gestion des ressources financières, matérielles, infrastructurelles et humaines. Et c'est lui qui est l'intermédiaire entre le gouvernement du pays hôte et l'organisation internationale. On lui donne le mandat. On lui donne la gestion des finances et il a l'obligation
de rendre compte aussi bien au gouvernement qui a mis en place les comités que à l'OIF. Et selon les cahiers de charges, chaque 3 mois, il y a un expert financier qui vient pour auditer nos comptes. Quand il arrive, on tire les extraits des banques, on lui donne des explications de toutes les dépenses que nous avons faites. Parce que, rappelez-vous que tous les athlètes qui viennent ici, leur gouvernement en tout cas, va payer 400 euros par athlète. Cet argent est versé directement au comité international, à l'OIF. Après les Jeux, on va faire l'évaluation, donc on va faire l'audit général et on va reverser cette contribution au gouvernement du pays hôte. Donc, le CNJF n'a pas un compte à la Banque centrale et la Banque centrale n'a pas à lui retirer la signature. Parce que, comme je l'ai dit, en plus de ça, je vous informe que moi, quand je suis arrivé au comité national des 9e Jeux de la francophonie, en novembre 2021, en janvier, j'ai demandé qu'on m'affecte les inspecteurs de l'IGF au comité national. Depuis le 24 janvier, on a affecté les inspecteurs de l'IGF au comité national qui sont là jusqu'à aujourd'hui. Ça fait pendant tout mon mandat, donc si je peux ainsi dire, je travaille avec les inspecteurs de l'IGF. Ma gestion est transparente. La rigueur que j'ai mise, c'est ça qui a fait que vous voyez toutes ces infrastructures ici. Quand je suis arrivé, moi, ici, je n'avais trouvé même pas la fondation. À Tata Raphaël, toutes les infrastructures qui sont là, il n'y avait même pas de fondation. Il n'y avait que 3 fondations pour le village qui est maintenant transformé en préfabriqué. Donc, on a mis de la rigueur, on a travaillé pendant 1 an et demie. Et vous voyez ces infrastructures qui sont là. Donc, il n'y a pas de signature qu'on m'a retirée. Si vous avez une preuve d'une correspondance qui atteste qu'on m'a retirée, vous pouvez la brandir, vous pouvez la publier dans les réseaux sociaux, je vous en prie. Alors, pour ce qui est d'un certain nombre de pays occidentaux qui se sont retirés, j'en connais un. Donc, le gouvernement du Québec, qui a dit qu'il n'allait pas envoyer ses athlètes et artistes, mais aller par contre envoyer une délégation diplomatique. Il y a la Wallonie-Bruxelles qui a dit qu'il n'allait pas envoyer la délégation sportive, mais par contre envoyer la délégation culturelle. En fait, c'est quoi qu'il s'agit? Lorsque j'ai invité au mois de juin, le 9 et le 10 juin, les représentants des différents pays membres de la francophonie qui ont accepté d'envoyer les athlètes, la Wallonie et la France ont fait des observations sur la piste d'athlétisme du stade des Martyrs. Nous, on voulait rétoper donc, la piste là où il était abîmé. Ils ont estimé qu'ils ne pouvaient pas envoyer leurs athlètes sur un terrain qui était rétopé parce qu'ils n'avaient pas la même hauteur. Le gouvernement a pris la décision de rétaper, donc, de décaper la piste, toute la piste, et de remettre un nouveau tartan neuf. Si un État décide de se retirer, on ne peut pas le forcer. Mais ce que nous avons fait, c'est qu'on a répondu aux préoccupations de tous les États. Les questions de sécurité qui sont évoquées ne sont pas nouveaux et ne sont pas préoccupantes pour justifier notamment les retraits de certains. Parce que je ne peux pas comprendre que certains ont envoyé, parce que vous parlez des pays occidentaux, et d'autres n'ont pas. Donc les États sont libres, comme je l'ai dit autrefois, ils sont libres d'envoyer leurs athlètes comme ils veulent. Ceux qui sont là, vous avez posé la question des conditions d'hébergement. Je vous assure que, à part le petit incident dont on a parlé tantôt ici, les athlètes se plaisent, ils sont dans un environnement qui est adapté, ce sont les jeunes, pour la plupart ce sont les étudiants, ils sont dans une cité universitaire avec beaucoup d'espace et ils sont avec beaucoup d'infrastructures sportives notamment aussi où ils peuvent s'entraîner sur place. Donc je pense qu'ils sont dans les meilleures conditions possibles pour faire leurs activités sportives. Très bien. On va prendre les réponses du ministre des Sports pour les questions qui vous étaient destinées.
Merci. Je voudrais rassurer mon ami Eddy Kankou que moi, c'est depuis 3 mois et demi seulement que j'assume les fonctions de ministre des Sports. Et au fil des jours, je me rends compte que je fais partie d'un gouvernement responsable, d'un gouvernement musclé. La preuve, l'implication du Premier ministre et chef du gouvernement qui nous accompagne toujours, qui visite pratiquement chaque jour les différents sites et à un moment donné, il se préoccupe du sort des athlètes plus que moi-même, ministre des Sports. Pas plus tard que lui-même, ministre des Sports. Aussi. Lui-même, ancien ministre des Sports. Pas plus tard qu'aujourd'hui, nous avons encore revu la situation de l'athlète en ce qui concerne la prime. N'oubliez pas, s'il vous plaît, rappelez-vous que nous sommes dans un système de bancarisation. La prime est transférée dans les comptes des athlètes. La prime ne transite plus par les comptables d'État ou par les ministres des Sports. C'est pour nous rassurer qu'effectivement, l'athlète a reçu son argent. Donc je peux vous confirmer que la prime de participation est budgétisée. Les athlètes recevront leur prime de participation. Vous aurez le temps de le vérifier. Nous avons prévu également les primes des médailles. C'est chiffré. Le médaillé d'or aura autant, le médaillé de bronze, le médaillé d'argent. Toutes ces dispositions ont été prises. C'est vrai, j'aurais voulu amener les athlètes le plus loin possible, mais je vous ai dit que pour des raisons de logistique, je n'ai pas pu réaliser mon rêve. Qu'à cela ne tienne, nous avons suivi nos compatriotes. J'ai prêté des salles ici au stade pour permettre à nos athlètes de s'entraîner, tant bien que mal, dans de bonnes conditions. On a fait cela, on a fait le maximum. Et je crois que c'est avec fierté que nous allons aligner notre équipe. Bon, Kankou se plaint qu'il mange la chikwang ou le makayab. Curieusement, la chikwang et le makayab, c'est parmi mes plats préférés pour la plupart des quinois ici. Donc c'est un plat que nous allons offrir à nos sportifs. C'est un plan qui est très très apprécié par la RDC. Sinon, les athlètes vont entrer au village de dimanche prochain. Ils vont partager les restaurants avec tous les athlètes qui vont venir du monde entier, ce qui est recommandé par les comités internationaux olympiques. Donc de ce côté-là, ne vous tracassez pas. Il y a aussi notre ami, les deux autres journalistes, qui se sont préoccupés sur le sort des athlètes. Non! Les sélections ne sont pas composées que des quinois, ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, s'il était venu avant, je l'aurais amené dans la salle, dans la salle de gymnase à côté, où l'équipe nationale de basket est en train de s'entraîner. Il y a la Congolaise qui est en Côte d'Ivoire, qui nous a rejoint. Il y a la Congolaise qui est au Sénégal, qui nous a rejoint. Pour l'équipe qui va aller au Rwanda, il y a la basketteuse qui joue au championnat de France, qui nous a rejoint. Nous faisons appel aux binationaux dans les différentes disciplines. Tout dépend de la fédération. Si la fédération signale suffisamment à temps au ministère que nous sélectionnons tel ou tel ou tel Congolais évolué à l'extérieur, nous allons l'accueillir. Donc, regardez dans le football. Nous avons même un joueur qui vient de l'Inde. Il est avec nous, il va participer aux compétitions. Nous avons à peu près 5 binationaux qui sont venus d'Europe et le gouvernement a mis la main à la poche. Donc je vous garantis que les sélections comprennent les meilleurs Congolais du moment. Et ce sont ces jeunes gens-là, associés à d'autres, qui vont défendre nos couleurs. Donc je vous en suis là. Et j'ajoute un détail. En ce qui concerne les athlètes de l'intérieur, ils peuvent être tracassés. Il y a un programme sérieux qui est arrêté au niveau du gouvernement dans le cadre des 145 territoires. Nous sommes toujours en réunion avec les ministères de travaux publics. Du plan. Il y a le plan qui est là aussi, des infrastructures également. Nous avons déjà recensé les infrastructures de base, les infrastructures prioritaires. Nous les avons catégorisées. Et c'est comme ça que je vous annonce que notre compatriote Ndaye Mutumbula aura dans les années à venir un stade qui va être construit à Kananga à sa mémoire. Nous n'oublions pas les athlètes des provinces. Vous connaissez mon parcours. J'ai été très critique et en étant au gouvernement, j'insiste toujours. Et je suis fier parce que ce gouvernement place l'athlète au centre de ses préoccupations. Je vous donne cette garantie et je vous le rappelle.
Et voilà, donc, rassurez-vous que nos athlètes vont valablement défendre nos couleurs au jeu de la francophonie. Voilà, merci pour vos mots. Je rappelle que le président de la République, vous aimez à le dire, c'est les premiers sportifs congolais. Et tout ce que nous avons fait ici, ce n'est pas seulement du béton, mais c'est la fondation qui a été placée pour la relance du secteur sport, du sport de manière générale. Alors, j'ai entendu beaucoup de questions sur les médias. On a parlé de la RTNC d'oublié. Je parle sous le contrôle du directeur de programme de la RTNC qui est là. Je pense qu'ici, il y a les équipes de la 1, de la 2 et de la 3 qui nous accompagnent et qui nous accompagneront durant tous les Jeux. Je pense aussi que ces briefings que nous le faisons parce qu'il y a justement ces besoins de nous assurer que la communication que nous apportons en appui à la communication de la direction des Jeux vienne un peu s'assurer que tout est en place. Et donc, je pense qu'après cet exercice, il y aura une petite concertation parce qu'il y aura évidemment un processus d'accréditation qui viendra. Il y aura des dossiers de presse qui vous seront préparés et qu'il y aura aussi une facilité en termes d'accessibilité sur les différents sites pour vous permettre de faire une bonne couverture de jeu. Cela nécessite de la concertation, c'est celle que nous aurons pour nous assurer que vous, les médias, comme nous, gouvernement, comme les Congolais qui viendront assister aux différentes compétitions, nous participons à faire de cet événement un événement historique que nous plaçons sous le signe de l'espoir, de la solidarité et surtout une preuve du changement de narratif. On va terminer cet exercice ici. On a beaucoup parlé. Il n'y aura pas de dernier mot, de mot de la fin, parce qu'on va se retrouver encore un de ces quatre pour continuer. C'était un exercice qui devait vous permettre d'épuiser les sujets qui vous dérangeaient. On a crevé les abcès et j'espère que demain, lorsque nous visiterons les sites, nous serons tous fiers de voir ce qui a été accompli sous la direction du président de la République et du Premier ministre. Merci et bonsoir chez vous. Très bien. Oh, 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 oh